Frères et sœurs, si l'amour du prochain est bel et bien au cœur de la foi chrétienne, il faut aussi reconnaître que l'amour du prochain est devenu une sorte de tarte à la crème, que la théologie chrétienne a tendance à nous resservir abondamment, sans se soucier, à vrai dire, de savoir si le produit ne serait pas devenu avarié, en quelque sorte. Et on nous sert l'amour du prochain un peu à toutes les sauces, qui ne sont pas toujours très ragoûtantes. Alors, il faut bien comprendre que consommer un produit théologique, c'est comme consommer un aliment. S'il n'est plus très frais, c'est courir le risque d'une authentique crise de foi. La notion de prochain, le thème de l'amour du prochain, est à l'image parfois d'un plat qui est là depuis toujours, qui fait partie de la carte, mais qui au fil du temps est devenu rance et qui parfois sent un peu le moisi. C'est le cas, je trouve, lorsque le prochain a été réduit à n'être plus que celui qui est proche de moi, lorsqu'il n'est plus que le membre du cercle restreint de la famille ou des amis proches. C'est aussi le cas lorsque le prochain est devenu cet être sans consistance, sans visage, un concept, une idée, qu'on ne rencontre que dans les livres ou dans les discussions de salon. Alors je vous propose ce matin de nous mettre au fourneau pour retrouver la saveur de cet amour du prochain, la saveur qui convient à cet amour-là. Et je vous propose pour cela de suivre la recette que nous propose l'apôtre Paul dans son courrier à la communauté des Philippiens. Dans la lettre de Paul aux Philippiens au chapitre 2, je vous lis les versets 1 à 11. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par gloriole, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne considère pas ses propres intérêts, mais ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la forme était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, ta parole est la vérité, alors, de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Chers frères et sœurs, ouvrons notre recueil de chants, louanges et prières pour y chanter au cantique 204 les deux strophes qui conviennent si bien à l'occasion d'un baptême, par exemple. Chantons ce cantique sur cette si belle mélodie de Handel. «
Donne-nous, Dieu notre Père, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous avons écouté devienne un message de toi pour notre vie. Chers frères et sœurs, en général, on ne retient de ce passage que je vous ai lu que ce qui a été appelé par la suite l'hymne aux Philippiens, c'est-à-dire ces versets 6 à 11 qui parlent du Christ. Et d'ailleurs, souvent, la plupart du temps, lorsque cette partie de l'épître aux Philippiens est lue à l'occasion d'un culte, on ne lit que les versets 6 à 11, oubliant copieusement tout ce qui précède. Alors cet hymne compte, c'est certain, mais il me semble qu'il compte moins que ce qui précède. Il me semble en effet que ces versets 6 à 11, qui ont été montés en épingle en quelque sorte au fil des siècles, ne sont que l'illustration, ce qui n'est déjà pas rien, que l'illustration de ce qui précède. Tout cet hymne rédigé au passé est là pour illustrer les recommandations que formule l'apôtre Paul, recommandations qui, elles, concernent notre présent, qui s'adressent directement à nous et qui sont donc rédigées au présent, que ce soit sous forme de l'impératif ou du participe présent. L'hymne, aussi populaire soit-il, aussi émouvant soit-il, et j'imagine volontiers un Adolphe Monod se répandant sur l'image de la croix. J'imagine que c'est ainsi que cet hymne a dû vibrer il y a quelques années dans cet oratoire du Louvre. Eh bien, l'hymne, aussi populaire soit-il, n'est qu'une relecture théologique pour montrer que ce que Paul nous demande, ce qu'il nous exhorte à accomplir dans les premiers versets, s'inscrit fidèlement dans le projet de Dieu. Et l'injonction décisive, celle qui donne toute sa mesure à ce texte biblique,
et celle que je retiens pour redonner toute sa saveur à cette notion d'amour du prochain, c'est cette exhortation du verset 3 que je formule en ces termes: considérez les autres comme supérieurs à vous-même. D'ailleurs, s'il n'y avait qu'une phrase à retenir de la Bible, je crois qu'en ce qui me concerne, ce serait celle-là. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Il y a tout d'abord dans cette exhortation une réflexion que l'on peut qualifier d'anthropologique. Une réflexion qui nous aide à exprimer quelque chose sur l'homme. Et une réflexion qui nous aide à nous situer par rapport à nos contemporains. En effet, ce que nous découvrons, si nous nous mettons à la lecture de cette épître de Paul, eh bien, c'est que Paul ne limite pas nos relations à un groupe particulier. Loin de là, il serait même du genre à ouvrir nos relations aux autres et à tous les autres, sans distinction. Les autres quels qu'ils soient, les autres sans aucune autre précision, sans les restreindre à un cercle familial, amical, religieux, national, linguistique. Paul ne limite pas notre champ relationnel à telle catégorie de personnes, à tel groupe, à telle communauté, mais Paul nous donne accès à l'universel. Pas plus que Jésus n'a été homme que pour les Philippiens, dont de toute façon il ignorait probablement l'existence. Pas plus qu'il n'a été homme juste pour les chrétiens qui, par la force des choses, n'existaient pas à son époque. Nous ne saurions limiter notre compréhension du prochain à un cercle restreint. Autrement dit, le prochain, c'est les autres. Tous les autres. Par exemple, la famille biologique n'est pas plus importante que ceux que je ne connais pas encore. Elle ne leur est pas supérieure. Et Paul continue cette anthropologie en nous disant justement comment nous situer par rapport aux autres. Premier élément à noter, c'est que Paul nous fait sortir d'une sorte d'attitude de condescendance à l'égard d'autrui. Le prochain n'est pas quelqu'un que je regarderai d'en haut. Ce n'est pas quelqu'un auquel j'accorderai un peu de charité. Cette charité chrétienne qui consiste à avoir pitié de ceux qui ont tellement moins de chance que nous. Être chrétien, ce n'est pas être supérieur aux autres. Ce n'est pas être au-dessus du lot. Ce n'est pas poser un regard charitable sur des êtres qui nous arriveraient à peine à la cheville. Les pauvres. Les malheureux. Cela, Jésus l'a magnifiquement illustré, comme le souligne Paul, en refusant d'être un surhomme, en refusant d'être surhomme au sens d'un homme qui serait épris d'un sentiment de supériorité, d'un homme qui serait là pour dominer les autres. Le texte grec est d'ailleurs délicieusement exquis pour nos oreilles. Pour nous qui sommes peut-être passés tout à l'heure devant la Comédie française pour nous rendre dans ce temple, Paul écrit que Jésus n'a pas considéré comme un harpagon d'être égal à Dieu. Harpagmos signifiant le vol, le rapt en grec. Jésus n'a pas été un harpagon qui a volé Dieu pour prendre sa place. Jésus a été homme, comme vous et moi, en refusant de se prendre pour Dieu et refusant par là de dominer l'humanité. S'il l'avait fait, s'il s'était considéré comme un surhomme, Jésus aurait été doublement harpagon, en volant autre chose à l'homme cette fois. Il lui aurait tout simplement dérobé
son estime de soi. Il lui aurait dérobé le peu d'estime de soi qui reste à l'homme en l'humiliant, en l'écrasant de tout son être. Et cela nous arrive parfois. Cela nous arrive lorsque nous sommes nourris de bons sentiments, ces sentiments charitables qui honorent la condition chrétienne, mais qui nous fait aller au-devant de certaines personnes qui, aussitôt, lisent dans notre regard que nous avons de la pitié pour elles, de la condescendance pour elles. Et alors, dans pareil cas, nous ne faisons pas autre chose que les humilier un peu plus et de leur voler ce petit bout d'estime qui leur restait encore. Alors parfois, ce n'est pas du haut de notre foi chrétienne que nous regardons les gens. Des fois, nous pensons faire mieux en considérant l'autre comme un égal. Alors on peut se dire, si on considère l'autre comme un égal, c'est parfait. L'autre est considéré comme un autre nous-mêmes, du coup. Nous allons vers lui, ou nous le laissons venir vers nous. Pourquoi ? Parce qu'il nous ressemble. Parce que, dans une certaine mesure, nous nous reconnaissons en lui. Et vous voyez que c'est déjà un peu moins gratuit que ce qu'il n'y paraît. Quelle en est la conséquence de cette égalité ? Eh bien, la conséquence, c'est que nous allons faire pour lui quelque chose que nous allons faire, en fait, un peu pour nous. Sans en avoir forcément conscience, il nous arrive de regarder l'autre pour mieux nous flatter, en vérité. Ou alors, nous allons vers l'autre pour le secourir, pour l'aider, parce qu'il nous renvoie une image de nous-mêmes qui est insupportable. Mais ce que nous faisons à l'autre, c'est pour nous que nous le faisons. Oui, il en résulte que l'autre cesse d'être lui-même, finalement, pour devenir ce que nous projetons de nous-mêmes sur lui. Du coup, celui qui est en face de moi, ce n'est plus un individu, c'est un autre moi. Et il n'a de valeur ou d'intérêt que dans la mesure où il est comme moi. Et au fond, pour reprendre l'expression du philosophe Paul Ricoeur, l'autre devient idem à moi. Il n'est plus lui-même, il est réduit à être un autre moi. Son identité devient une forme de même-té. Il faut qu'il soit le même que moi. Et du coup, au nom d'une égalité qui nous semble bien bonne au départ, eh bien l'autre devient prisonnier d'une forme que je lui impose. Et en l'occurrence, c'est la mienne, bien souvent. Et du coup, je deviens à nouveau une sorte de harpagon qui vole à l'autre sa singularité et qui la remplace par une sorte de duplicata de moi-même, de ce que je suis, ce qui permet d'éviter qu'on se rende compte qu'il y a eu une sorte de vol et de rapine. Cette égalité de traitement qui nous semble peut-être bonne pourtant, eh bien nous pourrions la nommer en quelque sorte un égalitarisme qui conforme tout le monde à un modèle unique. Tout le monde doit rentrer dans la bonne case, ou alors qui exclut ceux qui ne sont pas conformes. Et vous voyez comme l'anthropologie des bons sentiments peut parfois avoir des effets douloureusement perverses. En voulant faire de l'autre mon égal, eh bien je l'empêche tout simplement d'être lui-même. Ce n'est pas autre chose qu'une tyrannie des bons sentiments. Bons sentiments qui absorbent l'autre et qui le vide de sa substance. Alors il me semble que Paul a vraiment raison de nous inviter à considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes. C'est par cette manière que les chrétiens affirment que l'autre ne revient pas toujours au même, qu'il a une identité propre, singulière, qui dépasse largement l'idée que je peux me faire de quiconque. Et c'est d'ailleurs à la condition de considérer l'autre comme supérieur à soi qu'il peut véritablement être autre, porteur de cette altérité et peut-être même de cette étrangeté qui en fait un être unique
et qui, ultimement, pourra m'orienter vers une autre altérité, Dieu. Il me semble que Paul de Tarse aurait pu s'entendre sur ce point avec Paul Ricoeur, qui écrit, je cite, « Quand le visage d'autrui s'élève face à moi, au-dessus de moi, ce n'est pas un apparaître que je puisse inclure dans l'enceinte de mes représentations. » Vous voyez, c'est à la condition de considérer l'autre comme supérieur à soi-même, c'est à la condition de suivre cette anthropologie développée par Paul, que nous pouvons éviter d'une part l'humiliation, lorsque nous avons un regard condescendant, ou l'égalitarisme, lorsque pour nous l'autre est un égal. Et l'anthropologie développée par Paul, nous pourrions la qualifier d'exaltation. Exaltation de l'identité. Seule manière de ne pas voler l'identité de notre prochain. Seule manière de ne pas être harpagon pour les autres. Et c'est ainsi que Dieu lui-même agit, rappelle l'apôtre Paul. Ce Jésus, qui s'est efforcé d'injecter de l'altérité dans les relations humaines, de couper les liens trop fusionnels, de réintroduire la dimension de l'autre et du tout autre notamment, eh bien ce Jésus, qui a vraiment tout fait pour faire grandir l'humanité au maximum, ce Jésus, Dieu l'a exalté. Dieu l'a élevé. Dieu l'a considéré supérieur à tout nom. Eh bien, c'est cette anthropologie chrétienne de l'exaltation de l'identité qui s'enracine dans cette geste de Dieu qui élève, qui s'évertue à faire en sorte que notre vie ne soit pas au ras des pâquerettes, que je retiens pour nous. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Alors bon, évidemment, c'est joli sur le papier, ça peut même sonner plutôt bien en chair, on s'attend plutôt à ce que le prédicateur dise cela, même si ça se trouve. Mais face à la réalité, est-ce que ça tient encore? Parce que tout à l'heure, une fois que nous serons sortis du temple, est-ce qu'on pourra vraiment encore considérer comme supérieur à soi l'imbécile qui ne comprend rien à rien, le vandale qui dégrade ce qui ne lui appartient pas, le criminel, celui qui nous humilie à longueur de temps? Et pourra-t-on considérer vraiment comme supérieur à soi celui qui se complaît dans la déchéance, dans la paresse, dans l'attentisme, j'en passe, et des meilleurs? Peut-on vraiment considérer tous les autres comme supérieurs à soi d'ailleurs, sans être obligé de rentrer dans une forme de névrose, une manière de nous dévaloriser à outrance, de se sous-estimer en permanence et de ne faire de nous qu'une sorte d'avorton? Certainement, cette approche paulinienne serait fausse si aujourd'hui, en cet instant, nous arrêtions le cours de l'histoire et que nous nous lancions dans une évaluation générale de l'humanité. Si nous disions aujourd'hui, fin de l'histoire, et maintenant nous regardons ce que vaut chacun, que nous mesurons la valeur des uns et des autres. Et encore, il faudrait voir quels seraient les critères que nous retiendrions pour une telle évaluation. Mais la vérité est que l'histoire ne s'arrête pas comme cela. La vie ne se fiche pas ainsi, et notre identité ne se sclérose pas de la sorte. Sauf à être dans le registre du même, de l'idem, du fini, du définitif. Un individu est sans cesse en évolution. Il peut régresser, il peut progresser. Il peut s'effondrer, il peut s'élever. Des changements sont possibles. Nous pouvons évoluer, et cela ne dépend pas que de nous. Cela dépend aussi des autres. L'identité d'un individu, dans un registre chrétien,
n'est pas quelque chose de statique, n'est pas quelque chose de définitif, d'inscrit à jamais dans le marbre. L'identité d'un individu n'est pas statique parce que un homme, une femme, n'est pas une sorte de machine programmée définitivement une fois pour toutes. Et pour une part, ces changements qui peuvent intervenir chez l'autre dépendent de nous. Tout ce que nous faisons ou ne faisons pas pour l'autre a une conséquence sur sa vie, a une conséquence sur sa trajectoire. Ne serait-ce que le regard que nous portons sur lui a un impact sur son existence. Et c'est à cela que l'apôtre Paul nous rend attentifs, en révélant le programme éducatif que Dieu nous propose. Il y a d'une part l'anthropologie de l'exaltation de l'identité, qui nous invite à reconnaître que l'autre vaut plus que ses actes, qu'il vaut plus que ce qu'il donne à voir, qu'il est supérieur à nos représentations. Et d'autre part, il y a le programme éducatif de Dieu, que Paul traduit en une éthique de l'exaltation. Tout commence par une idée simple. Si vous voulez savoir ce qu'est l'éthique dans une perspective chrétienne, eh bien moi, je vous propose d'avoir une formule simple. L'éthique chrétienne, c'est avoir le souci de l'autre. L'éthique chrétienne, si on la conçoit comme le souci de l'autre, nous apprend déjà que c'est bien autre chose que la tolérance. La tolérance qui est le fait d'accepter bon gré, mal gré, la présence de l'autre. L'éthique chrétienne, c'est même bien plus que le titre du programme défendu par Albert Schweitzer, le respect de la vie. L'éthique chrétienne, c'est le souci de l'autre. Formule qui indique que l'autre est non seulement mon prochain, mais aussi celui dont je vais prendre soin. Alors évidemment, cela rejoint ce que nous apprenons par ailleurs, notamment avec l'histoire du Samaritain qui vient secourir quelqu'un de blessé. Rien de neuf sous le soleil, me direz-vous. Sauf que ici, Paul radicalise sérieusement cet enseignement. La plupart des fois que nous lisons cette épître de Paul, nous profitons d'une traduction qui a tendance un peu à atténuer les choses. Souvent, nous entendons des traductions qui disent qu'il ne faut pas regarder ses seuls intérêts, mais aussi ceux des autres. Ce texte, en grec, est beaucoup plus radical que cela. En demandant que chacun ne regarde pas à soi, mais aux autres. Et ce qui est assez curieux, et là c'est encore plus phénoménal que ce que nous avons l'habitude de voir parfois dans les écarts de traduction, c'est que c'est au sein même de l'édition du texte grec qu'on a rajouté le mot « aussi ». Ne regardez pas seulement vos intérêts, mais aussi celui des autres. Le petit mot grec « kai » a été rajouté entre crochets dans les éditions grecques du Nouveau Testament, alors qu'il ne figure dans aucune source. Mais pour faire droit aux lectures contemporaines, à cette sorte de convention du fait qu'il faut s'aimer soi et puis aimer les autres, mais ne pas s'oublier soi, eh bien on a rajouté le petit mot « et » qui implique que non seulement il faut s'intéresser à soi, mais aussi aux autres. Chez Paul, désintéressement total. On ne s'intéresse pas à ses intérêts et aussi à ceux des autres. On s'intéresse aux intérêts des autres. Et pour reprendre le terme grec, on les met sous le scope, on les examine de près. Alors c'est amusant de constater que ce mot « aussi » ne figure pas dans les sources. C'est intéressant parce que non seulement l'éthique chrétienne peut s'exprimer par le souci de l'autre, mais aussi par cette formule toute simple, mais tellement peu utilisé, après vous. L'éthique chrétienne, ce devrait être ça, après vous. Minuit, quelqu'un frappe à ta porte, tu es au lit en train de dormir, bien tranquille, eh bien tu te lèves et tu vas ouvrir. Même si tu avais mieux à faire.
Tu ne te préoccupes pas de l'autre seulement quand ça te fait plaisir, seulement quand tu n'as rien de mieux à faire. L'altruisme, radicalement exposé par l'apôtre Paul, passe par cette disponibilité ininterrompue, radicale, qui est une présence absolue à l'autre et à son service. L'autre, ce n'est pas simplement celui qui fait pitié, ce n'est pas seulement celui qui me ressemble. L'autre, c'est celui que je fais passer avant moi. Et l'autre, ce n'est pas celui qui est dans mon livret de famille. Ce n'est pas celui qui est dans le même registre paroissial que moi. Ce n'est pas celui qui parle la même langue que moi. L'autre, c'est tous les autres. Et si cet autre me semble minable, infréquentable, s'il a tout pour être antipathique, s'il vit à l'encontre de mes principes, s'il bafoue ma morale, s'il fait preuve de nonchalance, s'il mériterait d'être torturé avant d'être découpé en petits morceaux, s'il me désespère, eh bien il n'empêche que l'éthique paulinienne et les conséquences que nous pouvons tirer de l'anthropologie de Paul m'invitent à conduire cet individu-là, aussi pourri soit-il, sur un chemin d'élévation. L'anthropologie paulinienne et l'éthique qui s'ensuit m'invitent à l'édifier dans sa condition humaine, à le rendre supérieur à lui-même. Dans le film que vous avez peut-être vu, Pour le meilleur et pour le pire, Jack Nicholson campe un personnage qui rassemble tout ce qu'on peut imaginer de plus insupportable en termes d'arrogance, de suffisance, de mépris, d'étroitesse d'esprit, de caractère colérique, tout sauf nous en quelque sorte. Il n'empêche que cet homme infréquentable entreprend une relation avec une femme, la relation débute, mais au bout d'un moment, la nature humaine de cet homme semble reprendre le dessus et une dispute s'engage. Et finalement, la femme lui demande à quoi sert sa présence, vu qu'il est une sorte d'indécrottable misanthrope. Et là, Jack Nicholson, avec ses talents d'acteur, sa voix douce, son petit regard de chien battu, lui répond « Vous me rendez meilleur ». Eh bien, l'éthique qui se dessine dans ce texte vise cela. Ce que nous sommes pour l'autre, l'affecte, inévitablement, le modifie. Et cette affection peut contribuer à le rendre supérieur à lui-même. Ne perdons pas de vue que le propos de Paul n'est pas descriptif, mais prescriptif. Paul ne dit pas les choses telles qu'elles sont. Il ne raconte pas le monde qu'il a sous les yeux. Il raconte les choses telles qu'elles peuvent être, telles que Dieu les espère. L'espérance de Dieu, c'est que nous fassions pour chaque homme ce qu'il a fait pour Jésus. L'espérance de Dieu, c'est que nous fassions pour chacun, pour chacune, quel qu'il soit, sans exclusive, sans limitation, ce qu'il a fait pour Jésus. Lui donner un nom qui est au-dessus de tout nom et le faire accéder à une identité qui est au-dessus de toute identité. Amen.